Salut et bienvenue, c'est Squadra. On se retrouve pour un nouvel épisode de la série de vidéos que je me suis lancé à faire sur la présentation des constructeurs dans les jeux Grand Theft Auto en général. Évidemment, là, on s'attarde sur GTA 5, GTA Online, mais comme certains constructeurs ont des véhicules antérieurs à ces versions du jeu, je vais aussi vous les présenter vite fait, bien sûr, hein, pas autant en détail que les nouveaux. Mais je vais vous les présenter aussi, puisqu'ils font partie de ce constructeur. Vous savez que les constructeurs ont été ajoutés depuis GTA 4 et qu'il y a pas mal de véhicules qui sont présents uniquement sur GTA 4, qui n'ont pas été ajoutés encore ou qui ne seront jamais ajoutés à GTA 5, GTA Online. Et vous allez voir aussi dans cette vidéo qu'il y a des véhicules, on sait déjà qu'ils seront dans GTA 6, et le constructeur que je vous présente aujourd'hui, c'est pas un secret, c'est Bravado, vous l'aurez deviné. Ce constructeur possède des véhicules qui vont être dans GTA 6, ça on le sait déjà depuis qu'on a vu le premier trailer. Donc on va aller comme d'habitude à mon garage où sont toutes les Bravado. Alors elles sont pas toutes dans ce garage là puisqu'il y a des véhicules, vous allez voir, qui ne sont pas entreposables dans les garages, ou alors des véhicules tout simplement qui ne sont pas disponibles dans le mode online chez ce constructeur là hein, parce que là j'ai fait un peu plus compliqué que la dernière fois avec la vidéo sur les Obey où il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Là, Bravado, constructeur américain, vous le savez, il y a énormément de véhicules. Donc on va rentrer dans le garage et on va commencer à présenter tous les véhicules hein, comme on l'a fait lors de la dernière présentation constructeur. Nous voici donc dans mon garage de Bravado. Alors on va commencer un peu par parler du constructeur en lui-même. Donc Bravado, inspiration, c'est Dodge. Ça se voit même au niveau du logo, hein, le logo qui a été présent déjà sur GTA 4. Donc ce logo n'a pas changé depuis, il a été inventé à l'époque de GTA 4. Il représente une tête de taureau, à savoir que chez Dodge, l'ancien logo représentait une tête de bélier, donc il y a vraiment une très grosse ressemblance. Ce logo maintenant n'appartient plus à Dodge, c'est le logo de Ram, puisque Ram est une marque différente. Vous savez, le Dodge Ram à l'époque, le pick-up, le gros pick-up. Voilà, maintenant Ram, c'est une marque à part et qui possède ce logo de la tête de bélier. Donc chez Bravado, évidemment, Rockstar s'est bien inspiré de ça et nous a fait un très joli logo, je le trouve pas mal par rapport à certains sur le jeu qui sont assez moches ou un peu mal inspirés. Un peu comme Obey à la dernière présentation constructeur, le logo était bien inspiré du vrai. Là, c'est un peu pareil, tête de taureau, tête de bélier, c'est pas mal fait. Alors Bravado, beaucoup de véhicules, mais avant de rentrer dans le détail, on va parler d'abord des véhicules qui ne sont pas présents sur GTA 5 et des véhicules qui ne sont pas présents sur GTA 5 Online, puisqu'il y a des véhicules qui sont uniquement présents sur le mode histoire de GTA 5 et il y en a qui sont uniquement présents sur GTA 4. Alors sur GTA 4, on avait la Bravado Ferocci qui était une berline d'inspiration japonaise, mais un peu de tout, il y avait du Lexus, un peu de tout, voilà. On avait une version Fly Us de l'aéroport avec le sponsor là de l'aéroport. Alors cette voiture, elle n'a pas été ajoutée sur GTA 5, je pense qu'elle ne sera même ajoutée jamais ajoutée puisque vous savez que maintenant Rockstar s'inspire vraiment des véhicules du modèle d'inspiration. Là, celle-là, c'était un gros mélange et elle ressemblait un peu à tout et à rien. Donc c'était une Bravado, mais on ne l'a jamais vue sur le dernier GTA. Après, je ne sais pas, peut-être qu'elle apparaîtra sur GTA 6, on verra. Ensuite, on a sur GTA Online deux véhicules qui ne sont pas présents. Ce sont des véhicules de secours. C'est la Bravado Buffalo du FIB, le FBI, hein, la Buffalo noire que vous connaissez tous. Et la Police Cruiser qui est pareil, une Buffalo de police. Vous savez que sur le GTA Online, il n'y a aucune Buffalo de police dans les rues qui patrouille. C'est toujours les mêmes véhicules, que ce soit dans la partie reculée de la map ou sur la ville. Ça change un peu, mais il n'y a pas de Buffalo. Voilà, on va s'attaquer donc maintenant à nos modèles qui sont bien présents sur GTA 5. Alors, à savoir que chez Bravado, j'ai toujours dit qu'il y avait une bonne cohésion de la gamme avec, par exemple, les Gauntlet qui représentent les Dodge Challenger, les Buffalo qui représentent les Dodge Charger. Mais il y a quand même quelques petits problèmes. Par exemple, la Imponte Duke qui est censée représenter la Dodge Charger des années 70,
qui malheureusement voilà n'est pas une bravado, c'est une imponte. Alors du coup chez bravado évidemment on n'a pas de buffalo classique, c'est le seul truc voilà que je trouve vraiment un peu dommage. Il y a aussi pas mal d'incohérences dans les camionnettes, vous allez le voir, puisqu'il y a beaucoup beaucoup de camionnettes chez bravado, et sur cette catégorie là voilà c'est pas trop ça non plus. Bravado, c'est donc 32 véhicules, si on oublie bien sûr le véhicule uniquement sur GTA 4 et les deux qui ne sont pas online. On a donc un véhicule d'arène, trois véhicules avec l'amélioration Bénise, on a deux véhicules qui ont l'amélioration HSW, trois véhicules avec l'amélioration Imanitech, on a 10 véhicules en catégorie grosse cylindrée, 6 véhicules en catégorie sportive, 7 véhicules en catégorie camionnette, 2 véhicules en catégorie tout-terrain, une super sportive, un véhicule militaire, 3 véhicules de secours et 2 en catégorie SUV. À savoir que les deux catégories les plus représentées chez Bravado, c'est les camionnettes et les grosses cylindrées. Les grosses cylindrées, c'est logique hein, chez Bravado, Dodge, c'est assez logique que Rockstar et mis majoritairement des grosses cylindrées. On va attaquer de suite la présentation des véhicules de la marque Bravado avec justement les grosses cylindrées, et on va attaquer par les Gauntlets, donc hein, comme je disais précédemment, inspirés des Dodge Challenger. On va commencer avec la Gauntlet classique qui est inspirée de la première génération de Dodge Challenger de la fin des années 60. Elle est vraiment très joli, très bien inspiré, très beau véhicule qui a été ajouté récemment hein, sur les derniers DLC. Alors cette voiture, elle possède l'amélioration Bénise qui va la transformer en un autre véhicule qu'on va voir juste après. Donc cette voiture, elle coûte 615 000 dollars. Il y a une réduction possible hein. Vous savez que dans le jeu, si vous faites certaines missions avec les DLC, tout ça, vous avez des réductions. Donc 615 000 dollars. Sur les performances, on est 48e sur 59 sur circuit. Et on est 46e sur 59 en VMAX dans la catégorie grosse cylindrée, bien sûr. Alors justement, si vous amenez une Gauntlet classique chez Bénise, vous pouvez la transformer en Gauntlet classique custom qui va devenir un modèle. Du coup, ça va plus être inspiré d'une Dodge Challenger pour l'avant, on va dire. L'arrière, ça reste une Challenger. Mais on va être inspiré de la Dodge Charger Daytona de la fin des années 60, voilà, avec son gros aileron et son avant un peu profilé, c'est typique de la Charger Daytona. Donc cette voiture, évidemment, chez Bénise, l'amélioration va vous coûter 815 000 dollars pour transformer la Gauntlet classique, ce qui vous fait au total une voiture qui va coûter 1 430 000 dollars. Les performances, évidemment, ça s'améliore puisqu'on se retrouve 31e sur 59 sur circuit. Et 11e sur 59 en VMAX, donc une très grosse VMAX hein, sur cette Gauntlet classique custom. La Bravado Gauntlet Hellfire, qui est inspirée, elle, de la Dodge Challenger de dernière génération, on va dire, hein, la version L4, la version la plus énervée de la Challenger. Après, il y a la Demon aussi. Voilà, un peu de tout, on va dire. Alors, cette voiture, c'est une grosse cylindrée. Elle coûte 745 000 dollars. Pas trop cher, ça va par rapport à certaines. À savoir que cette voiture a été vue dans le trailer de GTA 6. Donc, on sait déjà qu'elle sera présente dans le prochain GTA. Donc, voilà, continuité des Bravado. Alors, sur les perfs, on est 42e sur 59 sur circuit. Et 12e sur 59 en VMAX, qui est pas mal du tout pour la VMAX. Après, le circuit, ça reste assez médiocre. La Bravado Gauntlet, qui elle est inspirée de la Dodge Challenger de la fin des années 2000, hein, la première fois qu'ils ont commencé à refaire des Dodge Challenger. Cette voiture est présente depuis le début de GTA 5. C'est même, pour la petite histoire, la version que vous voyez là, c'est la première voiture que j'ai eue dans GTA Online. C'est vraiment elle, ça fait quasiment 10 ans que j'ai cette voiture dans le jeu. Alors, à savoir que cette voiture a été retirée de la vente. Vous savez que Rockstar a retiré pas mal de véhicules des sites de vente. Ce que j'ai oublié de vous dire sur la vidéo des Obey, là maintenant je vais vous le dire pour chaque véhicule s'ils ont été retirés ou pas. À savoir que dans notre crew, vous avez la possibilité, on a un salon sur Discord où les membres demandent le véhicule qui a été retiré, ils peuvent se le vendre entre eux et en général vous faites une demande, vous l'avez dans la journée, vous avez votre véhicule.
Donc la Gauntlet, elle a été retirée. Elle coûte 32 000 $ hein, si vous l'achetez à un membre. Niveau performance, on est 32e sur 59 en circuit catégorie grosse cylindrée et 30e sur 59 en VMAX. La Bravado Gauntlet Redwood, qui est exactement la même que la Gauntlet, mais en version course avec le sponsor Redwood. Alors cette voiture, elle avait été ajoutée avec une mise à jour. Elle était gratuite à l'époque du transfert PS3-PS4. Elle avait été offerte aux joueurs qui revenaient de la PS3 pour passer sur la PS4. Cette voiture, elle coûte 230 000 $. Les performances, c'était un peu mieux que la Gauntlet classique. On était 27e sur 59 en circuit et 21e sur 59 en VMAX. On passe maintenant au Buffalo, les Bravado Buffalo. On va commencer avec la Bravado Buffalo STX qui est mon coup de cœur. Vous savez que pour chaque constructeur, je vous donne mon coup de cœur, le véhicule que je préfère. Alors vous m'avez vu arriver au garage avec la Banshee, puisque c'est un véhicule légendaire hein, sur GTA et chez Bravado. Mais mon coup de cœur chez Bravado, c'est cette voiture, la Buffalo STX, qui est inspirée de la Dodge Charger moderne, les derniers modèles, le modèle SRT, modèle énervé aussi. Hein. Cette voiture vous coûtera 2 150 000 $. On a une réduction possible et elle est en performance 5e sur 59 en circuit, ce qui est très bon hein, pour les perfs, et 6e sur 59 en VMAX. Donc une voiture que je vous recommande fortement. En plus d'être très performante, elle est magnifique, elle est très bien modélisée. Elle ressemble énormément à la Dodge Charger. Vraiment très belle voiture que je vous conseille. La Bravado Buffalo EVX qui elle est inspirée d'un concept, la Charger Daytona SRT qui était un concept de muscle car électrique, on va dire, après certains adhèrent ou pas. Alors cette Buffalo EVX, elle possède l'amélioration de Imanitech et aussi l'amélioration HSW, amélioration de performance. Alors à savoir que maintenant, niveau performance, je vous donne les temps avec l'amélioration HSW. Avant, je vous donnais avec et sans. Là maintenant, je pense que pas mal de monde est passé sur PS5. Je vous donne vraiment PS5 et Xbox, évidemment, les nouvelles générations du jeu là. Donc je vous donne les perfs les plus efficaces, donc avec l'amélioration HSW. Donc cette voiture, la Buffalo EVX, elle coûte 2 140 000 $. L'amélioration HSW coûte 1 415 000 $, donc en plus hein, pour la transformer en HSW. Vous avez niveau performance, des performances évidemment qui sont très efficaces, puisque en HSW on se retrouve donc 3e sur 59 sur circuit et 3e sur 59 en VMAX. Le Bravado Rat Loader qui est inspiré d'un très vieux véhicule, hein, le Dodge WC Pickup de 1947. C'est un des plus vieux véhicules du jeu, le Rat Loader. Alors, catégorie grosse cylindrée, ce véhicule n'est plus disponible à la vente et vous pouvez le trouver, mais il est assez rare. Vous pouvez le trouver pré-modifié à Paleto. Il apparaît à côté de la station avant la grande autoroute là, mais c'est assez rare de pouvoir le trouver. Il coûte 6 000 $. Ce véhicule possède la transformation à l'arène. Donc, vous pouvez le transformer à l'arène en un autre véhicule qu'on verra tout à l'heure. Au niveau des performances, on est très bon dernier de la catégorie sur circuit, puisqu'on est 59e sur 59 et 53e sur 59 en VMAX. Le Bravado Rat Truck, qui lui est une version propre, on va dire, du Loader. Alors lui, il est toujours disponible à l'achat. C'est pareil, 1947, un Dodge WC dans les gros traits, on va dire, puisque c'est un peu inspiré de plusieurs modèles aussi. C'est un véhicule qui est là depuis le début. Hein. Donc ce véhicule possède également l'amélioration de l'arène, puisqu'avec le Rat Loader, les deux véhicules donnent le même véhicule dans l'arène. Il coûte 37 500 $, donc il est beaucoup plus cher. Vous avez une réduction possible à l'arène. Sur les perfs, on est 58e sur 59 en circuit et 50e sur 59 en VMAX. Donc un peu mieux que le Rat Loader, mais ça reste des perfs assez mauvaises. La Bravado Greenwood qui a été ajoutée assez récemment avec les dernières mises à jour. Donc on est inspiré d'une Dodge Monaco de la fin des années 70. Ce véhicule est assez cher puisqu'elle coûte 1 465 000 $. On a une réduction
possible. Sur les performances, on est 20e sur 59 en circuit catégorie grosse cylindrée et 20e sur 59 en VMAX. Voilà pour les grosses cylindrées chez Bravado. On va passer maintenant aux sportives avec tout de suite la Bravado Banshee, celle avec qui je vous ai amené à mon garage. Alors légendaire la Banshee, hein, vous le savez, elle est là depuis le début, depuis GTA 3. Alors attention, il y a eu des phases dans GTA Vice City où elle était inspirée d'une Corvette, c'était plus trop une Viper, elle s'appelait toujours Banshee. Donc c'est une des sportives les plus anciennes de GTA avec l'Infernus. Alors cette voiture, elle était déjà présente dans le tout premier GTA en 2D en 1997. Donc cette voiture vue de haut, elle s'appelait Beast GTS. C'était déjà inspiré de la Viper, elle s'appelait pas encore Banshee. Donc la Banshee, elle a toujours été inspirée de la Viper, sauf dans Vice City. Inspirée depuis GTA 4 et GTA 5, elle est inspirée des Viper de deuxième et troisième génération. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui changent avec la Viper. Pour la petite histoire, à savoir que la Banshee a été réalisée en vrai dans la vie IRL par Rockstar et sur une base de Dodge Viper. Alors je ne sais plus trop ce qu'elle est devenue maintenant, je crois que c'est un collectionneur qui la possède. Mais vous voyez, voilà, elle est vraiment magnifique. Alors cette voiture, elle a l'amélioration Bénise qui peut la transformer en un autre véhicule qu'on verra plus tard. Elle a aussi l'amélioration HSW, elle coûte 105 000 $. Pour l'amélioration HSW, c'est 1 840 000 $ en plus. Au niveau des performances, on est 3e sur circuit et 3e en VMAX avec évidemment hein, l'amélioration HSW. À savoir que cette voiture existe aussi en version cabriolet, c'est la même, c'est les mêmes perfs, mais elle existe en version cabriolet, celle que j'ai exactement, le modèle que j'ai. Toujours en catégorie sportive, la Bravado Buffalo. Alors elle, vous l'avez vu, je vous en ai parlé au début, hein, la voiture qui existe en version FIB, FBI et police. Alors la Buffalo, on est inspiré de la 6e génération de Dodge Charger des années 2000, on va dire. Cette voiture existait déjà dans San Andreas, elle s'appelait uniquement Buffalo, elle n'était pas chez Bravado, puisque vous le savez, les constructeurs, c'est depuis GTA 4. Cette voiture coûte 35 000 $, elle n'est plus disponible à la vente, hein. On ne peut plus l'acheter, mais pareil, vous pouvez l'acheter à d'autres joueurs. Elle a été vue dans le trailer de GTA 6, donc on sait déjà qu'elle sera dans le prochain GTA. Au niveau des performances, on est sur une 56e place sur 61 sur circuit et 58 sur 61 en VMAX. Donc voilà, performance très médiocre. La Bravado Buffalo S, qui est une version un peu modifiée de la Buffalo. Si vous regardez en détail, il y a quand même pas mal de choses qui changent. Les feux arrière, les feux avant, tout ça. Alors on est inspiré, c'est la voiture de Franklin hein, dans le mode histoire. Donc on est inspiré de la Dodge Charger SRT8 des années 2010 sur tous les feux arrière. Cette voiture a aussi été retirée de la vente, elle n'est plus disponible à l'achat. Elle coûte 96 000 $. Sur la performance, on est 54e sur 61 en circuit, 56e sur 61 en VMAX, donc quand même un peu mieux que la Buffalo normale. La Bravado Buffalo Sprunk, qui comme la Gauntlet Redwood avait été ajoutée pour les joueurs qui revenaient sur PS4, qui venaient de la PS3, donc elle était gratuite à l'époque. Elle coûte 530 000 $, donc voiture quand même assez chère. On est basé sur la Buffalo S, c'est exactement la même base, mais au niveau des perfs, on n'est pas pareil du tout, puisqu'on se retrouve 58e sur 61 en circuit et 59e sur 61 en VMAX, donc voilà des perfs moins bonnes que la Buffalo S alors qu'on est censé être sur un véhicule un peu de course, donc c'est assez étrange. Alors là on passe à une vraie voiture de course avec la Bravado Hotring Hellfire qui est aussi inspirée de la Gauntlet Hellfire hein, puisque c'est la même base mais en version course. Donc la Challenger SRT TA2 qui était une version de course de la Challenger aux États-Unis. Alors cette voiture, elle fait partie des trois véhicules qui sont utilisables en course Hotring avec la Sabre et le Everon, le pick-up. Elle coûte 1 810 000 $. Sur les perfs en catégorie sportive, on est 38e sur 61 sur circuit et 20e sur 61 en VMAX.
La bravado-verlierer qui se dit, puisque c'est un mot allemand, Führlicher, ça se dit comme ça exactement. Alors cette voiture n'a rien à voir avec une Dodge, puisqu'on est inspiré de la Viessmann GT-MF 5, qui est une sportive allemande. Donc rien à voir avec Dodge. Après, vous savez que Rockstar le fait et le faisait surtout à l'époque sur certains véhicules qui n'avaient vraiment rien à voir avec la marque. Dont l'inspiration est censée être. Alors cette voiture, elle coûte 695 000 dollars. Elle n'est plus disponible à la vente. Elle a été retirée. Et je pense honnêtement qu'elle ne reviendra jamais dans la série des GTA, ou alors peut-être sous une autre apparence, parce que en plus d'être très moche, elle est aussi pas du tout inspirée d'une Dodge. Alors sur les perfs, on est 26e sur 61 en circuit et 29e pardon, sur 61 en VMAX. Allez, on va passer maintenant à la catégorie qui comporte le plus de véhicules chez Bravado après les grosses cylindrées, c'est la catégorie camionnette. Alors déjà, pour vous parler de la catégorie camionnette, je ne faisais pas avant sur mes tableaux de performance, donc du coup là, je l'ai rajouté, mais ça sera uniquement des Bravado. Donc le classement de perf que je vais vous donner là pour le moment, il comporte voilà que les camionnettes Bravado puisque j'ai pas encore fait les autres. Donc on commence de suite avec le Bravado Bison qui lui est inspiré du Dodge Ram évidemment de quatrième génération des années 2010. Alors on a plusieurs versions de ce Bison dans le jeu. C'est un véhicule qui est facilement trouvable sur la map en PNJ. Il est toujours disponible à la vente, hein. Donc il existe en version avec une galerie de toit. Vous avez une version avec des pubs sur le côté, des sponsors, tout ça un peu comme un véhicule utilitaire. À savoir que ce véhicule est capable de tirer une remorque, qui fait partie des rares véhicules du jeu qui peuvent tirer une remorque. Il coûte 30 000 dollars. Il est dans sa catégorie deuxième sur 7 en circuit et premier sur 7 en VMAX. Donc c'est le plus rapide hein, des Bravado en camionnette. Et chose importante, il a été aussi aperçu sur le trailer de GTA 6. Le Bravado Rumpo, qui est un fourgon qui est bien connu de la série des GTA, puisqu'on l'avait dans GTA 3, Vice City, San Andreas, tout ça. Alors à l'époque, il était vraiment inspiré d'un Dodge dans les anciens GTA. Là, maintenant, on est plus sur du Chevrolet, donc un Chevrolet Express de la fin des années 2000. Ce véhicule a la particularité d'avoir 4 places pour un fourgon, donc vous pouvez monter à 2 à l'arrière et 2 devant. Ce véhicule a aussi été aperçu dans le trailer de GTA 6, donc on sait qu'il sera là. Il coûte 13 000 dollars, il est toujours disponible à la vente. Dans sa catégorie en performance, il est 5e sur 7 en circuit et 3e sur 7 en VMAX. Le Bravado Rumpo Custom, alors lui, il est toujours inspiré pour le design avant, on va dire, du Chevrolet Express. Mais par contre, sur le custom un peu 4x4 comme ça, on va dire que c'est plus le Sportsmobile classique 4x4, un truc américain pareil, conçu sur une base de Ford E-Series. Alors voilà, sur la base c'est un Ford, mais tout ce qui est custom, on voit bien que Rockstar s'est inspiré de ce modèle, mais ça reste aussi à la base un Rumpo. Alors il coûte 130 000 dollars, il est premier sur 7 dans la catégorie hein, sur circuit de tous les Bravado. Et il est deuxième sur 7 en VMAX, donc un véhicule qui est assez performant et en plus d'être pas mal en franchissement. Le Bravado Paradise, qui lui aussi est inspiré du Chevrolet Express de la fin des années 2000, puisque c'est exactement le même que le Rumpo. C'est un Rumpo, donc c'est une version camping-car du Rumpo. On a plusieurs livrées, là j'ai mis celle avec le requin, mais vous en avez plusieurs. Alors ce véhicule a la particularité, vous savez, dans GTA, il y a pas mal de véhicules qui ont ça. Ils peuvent être utilisés en course dans une autre catégorie. Donc c'est une camionnette, mais il peut être utilisé dans la catégorie off-road, c'est-à-dire la catégorie tout-terrain aussi en course. Ce qui fait qu'il est quand même assez performant en off-road. Vous allez voir ce véhicule, si vous le prenez en tout-terrain, il a pas mal de performances. Alors il coûte 25 000 dollars, il est toujours disponible à la vente. 6e sur 7 en circuit et 4e sur 7 en VMAX. Le Bravado Yuga, qui lui est inspiré d'un Dodge Ram Van du début des années 2000, mais toujours avec un avant de Chevrolet, à savoir que les camionnettes chez Bravado, elles ont beaucoup des avants de Chevrolet. Je ne sais pas pourquoi Rockstar a fait ça. Alors cette voiture, elle a quand même pas mal de custom sympa. Vous pouvez la transformer un peu avec des sièges baquets, tout ça à l'intérieur, le toit surélevé. C'est assez sympa de pouvoir faire ça sur ce genre de véhicule. Il coûte 16 000 dollars. En performance, on est 3e sur 7 sur circuit et 5e sur 7 en VMAX.
Le Bravado Yuga classique, qui est vraiment très joli, je l'aime bien cette camionnette. Il est inspiré du Ford Econoline des années 70. Alors vous voyez que chez Bravado, on n'est plus du tout sur du Dodge hein, chez les camionnettes. On a pas mal de motifs et de customs sur ce véhicule qui peuvent le rendre très 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 joli. Il y a des motifs un peu rouille pour le faire ancien et vieux véhicule abandonné. Il coûte 195 000 $. Ce véhicule a été aperçu dans le trailer de GTA 6, donc on sait déjà qu'il sera là pour longtemps. Il bénéficie de l'amélioration Bénise hein, qui va le transformer en un autre véhicule qu'on va voir juste après. Sur les perfs, on est 7e sur 7 en circuit et 7e sur 7 en VMAX dans la catégorie camionnette. Et voilà, si vous amenez un Yuga classique chez Bénise, vous vous retrouvez avec un Yuga classique 4x4. Donc ce véhicule coûtera évidemment en plus du prix du Yuga classique 1 288 000 $, donc ce qui vous fera un total d'1 483 000 $ pour avoir ce véhicule en version Yuga classique 4x4. Alors on est toujours sur un Ford Econoline des années 70 évidemment, mais plus sur le modèle E300 Quadra Van qui était une espèce de version 4x4 aussi de ce Ford. Alors on a plein de custom hein, chez Bénise, vous le savez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, surtout l'intérieur, vous pouvez mettre plein d'intérieur, des motifs, tout ça. Pas mal de custom sur ce véhicule. En niveau perf, on est 4e sur 7 en circuit, puisque ce véhicule est 4x4, évidemment il est beaucoup plus performant que le modèle classique, et 6e sur 7 en VMAX. On va passer à la catégorie tout-terrain. Alors, on n'a pas beaucoup de véhicules. On en a deux en catégorie tout-terrain, dont un qui n'est pas utilisable en course. Donc, vous allez voir, on va parler après. D'abord, on va commencer avec le Bravado Dune Loader qui, lui, n'est pas du tout achetable. Vous devez le voler à des PNJ. Alors, il est inspiré d'un Dodge Power Wagon de la fin des années 40. Très vieux véhicule, mais il est très courant sur la map. Vous allez le trouver facilement. Sur la perf, on est 21e sur 22 en hill climb, hein, puisque vous savez que sur le tout terrain, je ne juge pas sur circuit, c'est sur le hill climb, le montée de colline, on va dire. Et 20e sur 22 en VMAX. Le deuxième tout terrain de chez Bravado, c'est le Bravado Sasquatch, qui est un monster truck, évidemment, de l'arène. Alors ce véhicule est issu du Rat Loader ou du Rat Truck. Voilà, si vous amenez ces deux véhicules à l'arène, vous pouvez les transformer en Sasquatch. Donc ça donne un Dodge W Series des années 40 sur l'inspiration un peu Mad Max, vraiment beaucoup Mad Max même, le dernier film de Mad Max. Alors vous avez trois versions dans l'arène. Ce véhicule n'est pas utilisable en course, mais vous pouvez l'utiliser en mode libre. La transformation à l'arène vous coûtera 1 530 875 $ en plus du prix du Rat Loader ou du Rat Truck. Mais à savoir que le Rat Loader n'est plus disponible, mais le Rat Truck, vous pouvez le voler à des PNJ. On passe à la seule super sportive chez Bravado, la Banshee 900R, qui est elle-même issue de la Bravado Banshee, hein, si vous l'amenez chez Bénise. Donc cette voiture est une voiture Bénise. On reste sur une inspiration de Viper, mais version large, avec des ailes élargies. On a plein de customs, comme d'habitude chez Bénise. Cette voiture, malheureusement, perd son intérêt face à la version HSW de la Banshee, puisque en perf, évidemment, on est bien en dessous. Le seul intérêt de cette voiture, ça va être vraiment l'esthétique. Donc cette voiture chez Bénise, la transformation va vous coûter 560 000 $. Donc au total, ça vous fera 670 000 $ pour cette voiture. Niveau performance, on est 38e sur 45 en circuit et 12e sur 45 en VMAX. Donc voilà, par rapport à la version HSW de la Banshee, c'est totalement... la différence est énorme. Par contre, par rapport à la version de base, évidemment, c'est sûr qu'on a une voiture plus performante. Chez Bravado, nous avons aussi un véhicule militaire, l'auto-chenille. Alors on est sur la base du Dune Loader. Donc ce véhicule est inspiré du M3 Half-Track de la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui était un véhicule à chenille à l'arrière et avec des roues à l'avant. Alors à savoir qu'il est très maniable et très performant par rapport au Dune Loader. Ce véhicule a quelques particularités, comme l'immersion, vous pouvez aller très profond dans l'eau. Il ne va pas se casser puisque la prise d'air du moteur, le snorkel comme on dit, est assez en hauteur. Donc vous pouvez aller carrément jusqu'au niveau des vitres dans l'eau, il n'y aura pas de souci.
Donc voilà, véhicule militaire, vous pouvez lui attacher une remorque. Alors évidemment, il est très cher. Il coûte 2 254 350 $. Mais vous pouvez l'entreposer dans n'importe lequel de vos garages. Après, il sera customisable dans le centre d'opération mobile ou alors dans votre Avenger, tout ça, voilà. La catégorie des véhicules de secours, puisque Bravado possède 3 véhicules dans cette catégorie. Alors, comme je vous l'ai dit au début, la Buffalo du FIB et la Police Cruiser, la Buffalo aussi de la police, ne sont pas disponibles. Vous ne pouvez pas les posséder dans GTA Online, c'est pour ça que je ne les ai pas dans le garage. Mais par contre, j'ai la Gauntlet Interceptor, voilà, magnifique Gauntlet qui est sortie tout récemment là, dans le tout dernier DLC sur GTA Online. Donc elle est basée sur la Gauntlet Hellfire. Elle n'est pas utilisable en course. Vous avez plein de customs de police que vous pouvez faire dessus, changer les rampes de gyrophares, tout ça. Elle est vraiment magnifique. Après, cette voiture, si vous voulez la modifier, ce sera uniquement dans vos propriétés. Vous ne pouvez pas la modifier au LS Custom ou au salon auto. Après, son défaut, ça va être vraiment son prix puisqu'elle est très, très, très chère. Elle coûte 5 420 000 $ et une réduction est possible lorsque vous avez fait l'émission. On va finir avec les deux SUV disponibles chez Bravado. On va commencer avec le Bravado Gressley, voiture de PNJ que vous pouvez voler à un PNJ. Ce véhicule n'est plus disponible à l'achat. Il est retiré du jeu à l'achat, bien sûr, hein, parce qu'il est toujours disponible en mode libre sur la map. Alors, ce véhicule, il est inspiré du Dodge Durango de 3e génération des années 2010. Alors, à savoir que vous savez, on a le Dorado, voilà, qui est vraiment inspiré du Durango. Là, à l'époque, il n'avait pas appelé Dorado, il avait appelé Gressley. Malheureusement, ce véhicule aurait mérité de s'appeler Dorado, vu qu'il était inspiré du Durango. Mais voilà, comme c'était les premières voitures, les premiers véhicules, vous le savez, l'inspiration, c'était pas trop ça. C'est le seul qui a la particularité d'avoir le logo Bravado noir sur la calandre. Tous les autres ont le logo rouge classique avec la tête du taureau. En performance, on est 22e sur 26 en circuit, 22e sur 26 aussi en VMAX. Et au niveau du prix, si vous l'achetez à un autre joueur, évidemment, puisqu'il n'est plus disponible, il est à 29 000 $. Et donc, le Bravado Dorado, qui lui est inspiré évidemment du Dodge Durango, mais de première génération, de la fin des années 90, véhicule qui a été ajouté très récemment hein, avec les dernières mises à jour. Très bien inspiré du Durango, on le reconnaît vraiment, hein, contrairement au Gressley. Alors lui, il coûte 1 375 000 $, beaucoup plus cher. Sur les perfs, on est 16e sur 26 en circuit et 14e sur 26 en VMAX. Voilà sur ce qu'on pouvait dire de la marque Bravado et de ses véhicules dans la série des GTA. Donc pour résumer, on va dire que Bravado, c'est 33 véhicules hein, depuis la création de la marque, depuis GTA 4. Sur ces 33 véhicules, on en a un qui n'est plus disponible sur les dernières versions, GTA 5, GTA Online. Pour le reste, les 32 véhicules qui restent, on en a deux qui ne sont pas disponibles en online. Hein, c'est les deux véhicules de secours. Et le reste, tout le reste est disponible sur GTA 5, GTA Online. Alors évidemment, c'est une présentation en gros. C'est vraiment pour vous présenter la marque et les véhicules de Bravado. Ce n'est pas une présentation en détail. Pour ça, vous avez mes essais complets qui sont disponibles sur la chaîne par playlist. Vous avez des playlists par catégorie sur la chaîne. Gros cylindré, sportif, super sportif. Vous pouvez retrouver les essais complets de chaque véhicule en détail. Où là, on rentre vraiment dans les détails. Après, au niveau des performances, évidemment, je vous ai fait, comme pour la vidéo des Obey, un petit tableau avec le classement de toutes les Bravado. On voit donc que c'est pas forcément sur ce tableau la super sportive de la marque Bravado qui est la seule, hein, la Banshee 900R qui est la plus performante puisqu'on a nos deux véhicules qui ont les améliorations HSW qui sont à la première et deuxième place. Évidemment, je vous le répète, maintenant je ne prends plus en compte avec et sans HSW. Le véhicule possède l'amélioration HSW, du coup je le mets en version HSW, toujours, voilà, toujours présenter les performances d'un véhicule avec ses améliorations au maximum. Alors maintenant, je sais que les joueurs PS4, vous n'avez pas ça, mais je pense que maintenant, on est vraiment tous passés sur PS5. Il est important de prendre en compte cette amélioration uniquement sur les véhicules et ça simplifie aussi les classements. Donc on voit, voilà,
que c'est surtout des grosses cylindrées et des sportives hein, qui sont dans les premières places chez Bravado. Comme je vous ai dit au début, Bravado, c'est énormément de grosses cylindrées, mais aussi de camionnettes. Voilà, la camionnette, nouvelle catégorie qui vient de rentrer dans mes classements de performance. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est pas trop à prendre en compte puisque pour le moment, il y a uniquement les Bravado. Et on verra ça avec les autres constructeurs que j'essaierai prochainement, où il y aura plein de camionnettes à ajouter. Petit détail que je vais vous rajouter là sur la Gauntlet Hellfire, je trouve que le temps est vraiment minable. J'avais dû être fatigué le jour où je l'ai essayé. Donc prenez pas trop en compte, je pense qu'elle est beaucoup plus performante que ça. Il va falloir que je fasse une mise à jour. Mais là, ça me paraît pas normal qu'elle soit derrière le Dorado en SUV. Donc j'avais dû me louper, il y a eu quelque chose, il faudra que je corrige ça. Je préfère être honnête avec vous. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de présentation constructeur. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des choses à modifier, pareil, vous me le dites dans les commentaires. S'il y a des choses à améliorer, des trucs que vous voulez en plus, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, ciao ciao.